Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Dunn, mais... Mais ben, quel reporter. Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balfour, n'a jamais quitté sa chambre. Étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de 3 bouteilles de bourbon. Alors mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel. Mettre K.O. Farnham, paf, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Ellen Moore et moi de Cassidy. Non? Bonsoir, Monsieur Farnham. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de me présenter. Je suis John Blackmore, le directeur de l'hôtel Balfour. Notre établissement met un point d'honneur à ce que nos distingués hôtes se sentent toujours les bienvenus. Nous vous prions donc d'accepter ces bouteilles de notre part à tous. Ah, d'accord. Je me préparais à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Très bien, entrez alors. Pénétrer dans la chambre de Farnham n'avait guère été difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, j'avais toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, l'ami? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. C'est une bonne chose. Votre honneur a été restauré. Et vous pouvez avoir la certitude que notre Seigneur s'assurera qu'ils aillent brûler en enfer. Vous devez aller de l'avant, mon ami. Des jolies filles, il y en a des tas. Trouvez-vous une autre charmante amie, quitte à devoir y mettre le prix. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Ils nous embrument l'esprit et déforment notre vision de la personne qui se tient devant nous. Jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnham était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libre de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnham,
Bon, désolé, hein, j'ai eu une petite introduction assez bizarre, hein, je vous ai pas dit bonjour tout à l'heure, mais bon. La partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur ? Salut, l'ami. Je me présente. Howard M. Farnham II. Enchanté. Suis-je censé vous connaître ? Que puis-je pour vous, monsieur ? Farnham avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations... avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Ok. Trouver les informations requises avant que le temps soit écoulé. Oh, wow. Contre la montre, carrément. Alors, vite, vite, vite. Allez. Ah oui. Oui, vous m'aviez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Ok. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art ? Donc bon, il est assez clair que l'agneau a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'ait surpris en train de la tromper avec la bonne cire, vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ces maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé qu'à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'au professionnel. Quitte à finir par en épouser certaines. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Il y a ce boxeur qui en a après moi, et je sais pas vers qui me tourner. Je serais prêt à payer une fortune pour me débarrasser de cet enfoiré. Eh bien, vous en avez de la chance, monsieur Blackmore. Je dois jouer au poker ce soir avec un grand monsieur de la boxe. Ah oui ? Vous croyez que je pourrais venir avec vous ? J'en doute fort, l'ami. Je viens de claquer 10 ans de votre salaire pour participer à cette partie. Et c'est quand même que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Je reviens.
C'est pas dans le truc là? Alors, c'est pas là. C'est pas là. Rien. Ah là, tu peux pas fouiller plus vite, frère. Le temps, ça compte, hein. On va essayer sur la table. Allez! Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Ah, 20 000 dollars. Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon? On va pas prendre le risque encore. Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait rien, pas un sou, pas qui. Qui ça peut être? Farnham. Ah, ça, si c'est pas le héros du jour! Parler comme un Texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. Allez. Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté Texan. Ok. Allez. Putain, ça file mal ce truc, hein. Quoi de plus texan? C'est pas vrai. Ok. Et le dernier coup, il est où? Allez. Je n'aurais probablement pas besoin d'imiter ses gestes au cours de la partie. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Eh ben si. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Oh, il est chiant lui, hein, franchement. Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnham, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Oh. Ah, ben voilà. Allez, prends ça. Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnham. Kenny X. Kenny X. Voilà. Résident. Sur Cornell Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et seriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici? Eh, hey, tu me souffres, moi, franchement. Rasage, je vais te nommer, essaye de te nommer. Il est saoul, hein. Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Non, c'est pas ça. Avance. Là, y'a rien, j'imagine. Oh putain. Allez, bouge.
Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnham boit un peu trop, cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. Oh là 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 là. Peut-être c'est ça, non? Ah, enfin il est là, lui. Cassidy. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnham. Je me trompe? Je sais pas, moi. Tout à fait. Votre barbier était sur le point de me raser de près. Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon, t'enlèves ton truc de moi, là. Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'ils finissent tout le bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnham est un honnête Texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas? Je l'aurais fait si j'avais eu une arme sur moi, mais ce n'est pas le cas. Vous plaisantez? Un Texan sans arme? Eh merde. C'est quoi ces conneries? Avec grand plaisir. Oh putain! On est bien d'accord, je suis bien allé dans cette zone, il n'y avait c'est pas de trucs affichés. Bienvenue. Les jetons sont sur la table et les armes sont dans le coffre. Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend. Prenez un siège, monsieur Farnham. Laissez-moi faire les présentations. À ma droite, en short gris avec 63 kilos à la pesée, le propriétaire du Pink Vice. Le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute, sans vouloir offenser ces femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion incontesté, Oswald Quince. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre. Ah, là, je commence à m'inquiéter. Il ne faut jamais faire confiance à un joueur trop humble. Tu te fous ma gueule, là ? Notre ami Farnham possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui ? Nous sommes donc collègues ? Dans tes rêves, Quince. Monsieur est propriétaire d'un casino. La vache ! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh, mais comment déjà? Ah, oh, j'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong, Texas? Ding Dong, c'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimiglia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée... Frank, un peu de respect s'il te plaît. Le cador de la restauration... Polly... Polly... Je possède qu'un petit bar avec quelques tables de billard. Les clients ne boivent quasiment rien, et y jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly! Comment ça se fait que je connaisse pas ton nom de famille? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Les bonnes femmes, elles finissent même par nous piquer nos noms. T'es vraiment trop, Polly. Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une partie? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre.
Merci. J'adore le billard. Parfait. Ce sera un plaisir de vous voir. Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main. Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème? Les paris illégaux, comme ceux arrangés par ce O'Leary, c'est un vrai problème. Eh ben dites donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables. Des boxeurs honnêtes. Et pas de coups fourrés. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer, avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Encore ! Incroyable ! Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnham ? J'ai comme l'impression que nous avons un sérieux prétendant en lice. Queens, il va falloir commencer à défaire la boucle de ta ceinture de champion. C'est encore loin d'être terminé. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Ah, les bonnes femmes. C'est toujours beau. Qui désintox. Ouais, voilà, putain. Oh. Clinique du désintox. Complètement accro au tranquillisant. Ah, voilà, putain de merde. Voilà, c'est ça. Les tranquillisants. Les femmes et leurs vices. Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre. Mais c'est pas vrai! C'est incroyable! Eh ben alors, Farnham? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêt à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnham. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe, et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh bien, que voulez-vous savoir? Et c'est reparti. Les boxeurs aux tendances meurtrières, comme Bobby Yale. Ha! Une drôle d'histoire, hein? Je sais pas s'il est coupable... Mais le véritable problème, c'est que le match contre mon champion Stone risque d'être annulé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment réussi à convaincre le gouverneur de le laisser sortir de prison le jour du combat. Sous escorte policière, il va de soi. Je suis sûr que le public appréciera au plus haut point. Les entraîneurs réticents, comme ce Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerai volontiers de payer ses frais d'avocat.
Allez, on s'en refait une avant que Quinns nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toute leur considération. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Eh bien, arrêtez de leur taper dessus, alors. Il existe de meilleures méthodes pour éduquer les gamins. Attention, Quinns. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique, niveau descendance. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? Eh merde. Oh, j'en ai marre. À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Non, qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Ah ah. 2, 4, quoi? J'ai même pas eu le temps de voir! Franchement, je ne comprends pas comment vous faites! Ah, 6. Que des garçons? Maintenant? Vraiment? Oh, ne laissez jamais Quinns s'approcher l'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré! Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs 12 ans. Au-delà, bon. Eh bien, disons que... il existe... certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là, si vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnham? Je le sens pas du tout. Cette pourriture d'aigle incarne vraiment ce qu'il peut y avoir de pire dans ce pays. Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Ouais. Si vous prenez l'idée de poser vos sales pattes sur l'une de mes filles, je peux vous assurer que je vous tuerai de mes propres mains. Et si cette gamine d'une douzaine d'années, c'était ta jolie petite nièce, ou encore la nièce de mon cousin Mike, et s'il se trouvait qu'elle avait disparu il y a quelque temps? Et mettons qu'on l'ait forcé à bosser dans un bordel. Ça t'évoque quelque chose? Je ne vois pas de quoi tu parles, Franck. Ne m'appelle plus jamais Franck. Billy Bob? Oh oh. Mais pour... le nettoyage? Mais... c'est non. Ça sent de plus. Eh bien, nettoie. Non. Et d'accord. Pardonnez-moi pour ce spectacle, les amis. J'étais loin de m'imaginer que la partie irait se terminer de la sorte. Tenez, prenez mes jetons. Et puis ceux de cette petite merde pendant que vous y êtes. À présent, si vous voulez bien m'excuser... je dois m'occuper de problèmes familiaux.
J'en pouvais plus, si vous j'en voulez pouvais persister plus, amis. Dans vos nouveaux projets. Appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé Frank Cassidy. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnham. Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible Texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnham II. Foutu Texan. Ah. Pour la première fois depuis des jours, j'eus l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait tabasser. Et c'était bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. Allez, réveille-toi, tu fais un cauchemar, là. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. Allez, debout. Ah, allez. Vas-y, décroche. Black Sad. J'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. Wow, ça rigole pas, là. Ça rigole pas. Hein. Je crois que j'ai un problème avec mon micro. Non ? Ah, je sais pas. Ok. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Ah merde. Avez-vous touché ou déplacé quelque chose ? Juste le téléphone. Bien. Calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Oh là là, la merde qu'il y a. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers ? Il me semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Ok. Les personnes qui ont fait ça, ils sont forcément venus prendre quelque chose. Non, ça on l'a vu déjà. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Ok, peut-être l'argent. Le contraire m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas okay. De l'argent qu'il cherchait. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non. Enfin... À l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme ? Oui. Elle n'est pas là. Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Ouais. Je vois. Ouais.
Alors, Sonia sait que vous la soupçonnez. Bah oui, bah... Il n'y a pas quelque chose par là, là, on peut pas passer? C'est bloqué apparemment. Ok. Là, il n'y a rien. Ah, peut-être dans la poubelle. Qui c'est dans la poubelle? Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez les sardines? Pardon? Est-ce que vous aimez les sardines? Burk. Ok, l'odeur des sardines. Très bien. Ok, bon. Est-ce qu'on peut faire des intuitions, là? Ah oui, il y en a pas mal, hein. C'est ce que je voulais faire depuis déjà deux vidéos, je crois. Donc, ok, bon, on va voir ce qu'il y a. Alors, là, ça, c'est une navette planifiée. Alors, qui est le type qui est passé pour le médecin de Yale? Oh. Les pieds, peut-être en rapport avec les traces du gymnase, non? Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Non, les empreintes ne correspondent pas. Si O'Leary a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture, ou en portant une autre paire de chaussures. Ah, ah. Les semelles d'O'Reilly ne correspondent pas aux traces du gymnase, d'accord, bon, c'est pas lui. Il y a encore une intuition à faire. Alors, Hélène Moore a su une étude cigarette qui comporte une inscription romantique. Qui appartient à les traces. Non, c'est pas ça. Aurélie conserve des photos romantiques. Ah, peut-être ça. Les cigarettes avec la photo romantique. Peut-être. Bah ouais. Logique. Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Hélène Moore est un cadeau d'O'Leary. Bon. Il y a encore autre chose à faire ou pas? Ouais, apparemment oui. On va revérifier. Alors. Elle a donné à chercher un coup de poing dans un pot de peinture. Oh, les semelles d'O'Reilly ne correspondent pas aux traces. Hélène Moore a prétendu aider. Quel est le type? La femme d'O'Leary a une liaison avec Kohlberg. Hélène et Desmond. Son bicor sont encore amoureux. Ah, ça va ensemble, je pense. Avec détester O'Leary alors qu'ils vont ensemble. Bah ouais, c'est bizarre. Si elle est toujours amoureuse. Pourquoi prétend-elle le haïr? Que cache-t-elle donc? Ça, j'en sais rien. Je peux pas lui parler à elle? Non. Apparemment, il y a autre chose à faire dans la salle. Pourquoi le truc est plié, là, le tapis, là? On va voir ça. Bingo. Qu'est-ce que c'est? Rien, juste un contrat fraîchement signé. Un contrat signé. Le cambrioleur du gymnase a signé un document avec son pied. Avec son pied? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comment ça, avec son pied? Là, y'a rien pour l'instant. Là, j'ai disparu après avant là. O'Leary, peut-être ça, je suis pas sûr. Hein. Peut-être ça avec le coup de poing, non? Je sais pas. Non. Bon, pour l'instant, je peux pas faire de déduction apparemment. Il n'y a pas plus d'indices que ça. Je peux pas aller par là, là, à gauche? C'est coincé? Bah alors. Là, on l'a vu. Bon, là, je vois plus rien ce qu'on peut faire. Hein.
J'ai tout fouillé pourtant par là. Il peut pas là. Non, il peut pas passer par là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une chose sur le bureau en allant par là? Non. Là non plus. Ah, le papier là peut-être en bas, non? Non. Merci. Il n'y a rien par là. Oh oh! C'est quoi ça? Il est à qui? Marie Purnell. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça? Donc à mon avis, elle est venue ici. On va essayer d'aller voir en haut. Peut-être un indice. Non, je peux pas. Ok. Bon, je peux pas. Je peux pas descendre par là non plus? Ok. Bon là, il n'y a rien à fouiller, là. C'est juste un portrait. On l'a déjà vu plein de fois, ça. Ah! Un morceau de... quoi? Dans l'escalier qui mène autour du... Ah, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Elle est bien montée en haut. Et apparemment, elle s'est fait courser. Apparemment, quelqu'un la suivait. On va monter là-haut cette fois. Attendez ici, s'il vous plaît. Quelqu'un la suivait. Mais qui? Ça, j'en sais rien. Oh merde! Oh merde! Oh, fait chier. Aïe, 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 aïe. Bon, là, le coup. Enfin, le coup de feu, là. Ensuite, j'imagine qu'il y a ça. Voilà. Elle tient un papier. Chère Sonia, je dois vous parler de certaines choses concernant votre père. C'est qu'il aurait voulu que je vous en parle. Par exemple, sachez que vous êtes copropriétaire d'un appartement à Manhattan. Ah bon? Appelez-moi s'il vous plaît. Bien à vous, Marie Purnell. Ok. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. D'accord. C'est qui? Qui a fait cette connerie là? Allez. Ça, on l'a vu. Le bras, non? N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Pourquoi m'avez-vous écouté? L'assassinat de Marie Purnell, très bien. Je veux que vous appeliez la police et que vous alliez dormir chez un ami. Ne retournez pas chez vous et surtout pas ici. Je loge actuellement chez une amie. Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père. Très bien. Vous avez la clé? Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait, il va probablement essayer là-bas. À moins qu'il n'y soit déjà passé.
Eh ben, ça commence à devenir un peu chelou, hein, cette partie. Hein. Enfin, cette suite d'aventures. Le seul truc que je trouve dommage dans le jeu, c'est qu'il y a des chargements tous les 2 minutes, 2-3 minutes, c'est chiant, quoi. Pas besoin de chargement à chaque fois, tout ça, quoi. C'est relou. C'est vraiment relou, le chargement. Pour une fois, j'avais une clé pour entrer quelque part. Je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol, ni la... Eh merde. C'est coincé. C'est coincé avec le loquet, frère. Oh, boum. Putain, on t'a cambriolé, frère. Non? T'as pas compris, allez. On va fouiller l'endroit. Hein. On va voir ce qu'il y a là. On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. Ah non, c'est pas chez lui, d'accord. Okay. J'ai cru que c'était chez le Black Sad, en fait. Non, c'est pas lui. Dunn, Thorpe, aucune idée. Ces deux-là... Oh, le médecin, là, à droite. Chose. C'est soi-disant le médecin, là, à droite, non? Rien d'autre à fouiller là? Non, ok. J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. Ok, ça j'ai pas besoin. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de Paris illégaux d'Oliri. Même si j'avais rejeté sa récompense pour lui avoir parlé de Colbert et de sa femme. L'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale suite à l'abandon prématuré au poker du macro à plume. Un petit pari ne pouvait pas faire de mal. Quel mal y aurait-il à ça? Probablement un mal qui ne se voit pas. Ok. Jusque là, ça va. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ce livre? Ok, la vie de Harry Bradwick, père de baseball, Bartholomew Finn. Ok. La biographie de... Le père de... Ok. Ensuite. Ok, le lion tranquille. Sonia aime le cinéma qui... Oh, je sais pas. Le surnom de Dunn n'était-il pas le lynx tranquille? Je jurerais avoir vu ça sur une affiche dans le gymnase. Ah bon? Aucune idée, hein, je peux pas te dire. Voilà, il y a plein de choses. Black Fantasy, Little Hand, Fletcher, La Chapelle, Records. Regardez-moi ça. Notre bonhomme avait clairement bon goût. Ah bon? L'art de la boxe. Il y a plus d'art dans le jeu de jambes hypnotiques des boxeurs que dans certaines peintures modernes. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, bof. Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Non, ça, je m'en fous. Ok. On va aller dans cette pièce là-bas. Voir ce qu'il y a. Ouais, plein de choses à fouiller là, il y a beaucoup de pièces. Bon, on va voir ce qu'il y a dans le frigo. Des sardines. Ah merde. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Ah, les sardines. Ça va être une intuition, ça, je pense. J'ai cru voir qu'il y avait... Ouais, mais je sais. On va voir dans le frigo. Ok. Des repas tout prêts présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça?
Très bien. Don est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Mm-hmm. C'est tout ? Ok. On va faire l'intuition, là. L'intuition avec les sardines, le... c'était quoi déjà ? Une boîte de sardines vide chez Don, d'accord. Avec... voilà, la serviette. La sardine qu'on a vue dans le gymnase. Il est clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Ok. C'est quoi ça? Accord de vente de propriété. Évidemment. Maintenant, je comprends comment Don a pu acheter l'appartement. Voilà, le mot qu'on a vu dans le... Il faudrait que l'appartement soit vidé dans 2 semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est au courant. C'est pas le propriétaire de... qu'on a vu sur les victimes, là, de... la fille, là, non? Rien à voir? Bon, ça, je m'en fous. Y'a rien d'autre à fouiller dans la salle de bain. On va aller... Non, là, on y allait. On va aller juste dans cette pièce-là. Après, on ira dans la pièce qui est à gauche, après. Alors, voyons voir ce qu'il y a au bout. Ah, là. Hélène. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Don. Mm-hmm. C'est Don, il y a un tableau d'un arbre peint par sa femme. Ok. Très bien. Ensuite. Putain, il y a plusieurs salles de bain ici. Pfiou. Don pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de luxe? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner Marie? Ok, ensuite. La masculinité commence au travail. Mm-hmm. D'accord. Là, il n'y a rien, ok. Bon, dans cette pièce, il n'y a rien. Allons voir ce qu'il y a là, c'est quoi ça? Par là qu'il est entré. Hein? Ah bon? J'en sais rien du tout. Ah, il y a une photo en bas. Tu continuais à la regarder tous les matins, après tant d'années, et en étant à nouveau amoureux. Oublier n'est peut-être pas une obligation. Peut-être que la douleur finit par se transformer. J'en sais rien. Mm-hmm. Ah, pour le meilleur des papas pour la fête des pères, Sonia. Elle aime son père, on dit rien, c'est bien. Ok. Ensuite. Le tiroir. Aha! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un agenda? C'est un journal intime? C'est quoi? Ma trésorerie, j'ai choisi de t'emmener sur ce toit là où... là où est né notre amour. Ok. Notre cher ami, je suis un... que j'éprouve pour toi afin de t'offrir cette bague et... et quoi? C'est trop intime. Ah bon, d'accord, ok. Bon. Si c'est trop intime, ça sert à rien de le lire. Mais c'est un journal intime, entre guillemets, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Dans le placard. Un autre placard vide. Ah bon? Ok. Bon, en bas, il n'y a rien. Hein. Ok, bon, cette pièce, on l'a fouillée. Maintenant, on va aller en face. À mon avis, il y a plein de tiroirs à ouvrir. Hein. Oh là là. Ah ah! D'accord. Ensuite. Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise? Ça, je peux pas te dire. Est-ce que dans la valise, il y a un truc, là? Non. Est-ce que je peux aller par là? Ouais. Il y a des choses, là. Alors, Frank Papalia... l'une des très rares idoles des jeunes a s'est réellement améliorée avec l'âge. Ok. Voilà, des gants de baseball.
Qu'est-ce que ça fait là? Ok, le gant de Spalov dans la chambre, d'accord. J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. Je dois parler à Sonia. Et peut-être aussi à son oncle Tim. Ok. Bon, on a tout fouillé. On n'a rien trouvé. Ça me rappelle... Je ne sais plus... De bons souvenirs ? Vous êtes du genre optimiste, hein ? Ça m'évoque une impression de dernier jour de l'été. Des scènes de joie, des paysages idylliques. Cependant, la lumière est morbide. Le calme avant la tempête. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Peut-être avez-vous la chance de ne pas savoir à quoi ressemblent les coups durs. Ou bien... Oh non, le contraire serait trop triste. Nous nous sommes rencontrés à l'armée. On nous surnommait les 5 Olympiens, vu que nous étions tous des sportifs professionnels. Ah bon? Lui, là, il m'intrigue le... Qui est le type à droite? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire. Ah! Également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. D'accord. Et ce ne serait pas Craig Spano, le type des pubs pour les Morlaise? Effectivement, notre capitaine. C'était lui le plus âgé, après tout. Et la star des New York Warriors. C'était un orphelin, vous savez. Mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. Très bien. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Ok. Don était-il déjà boxeur? Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Ah bon? Et ce jeu de jambes, à ce niveau, c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Don par KO. Mm-hmm. Qui est le type à gauche? Ah, Victor Zukovski, le grand athlète. Littéralement couvert de médailles. Ok, le dernier. Que pouvez-vous me dire à propos de vous? Bien, je venais tout juste de signer avec les Milestones. Je n'avais même pas encore participé à un match, mais... Tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Mais la guerre est venue se dresser en travers du chemin menant vers ce bel avenir. Hein? Non, j'ai fait un retour triomphal. La meilleure période de ma vie. Vous vous souvenez de ce flic à l'hôpital? Celui qui m'a laissé entrer en échange d'un autographe? Oui. Vous pouvez me croire, on ne gagne pas un surnom comme bras d'acier en restant assis sur le banc de touche. Ouais. Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Team Jambe d'Acier Torpe? Que s'est-il passé? J'ai combattu les nazis pendant 2 ans, là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. Et pas une seule fois je ne me suis retrouvé à 3 ans plus tard. J'ai traversé la rue sans regarder, et voyez à quoi j'en suis réduit. Ah. Ok, l'accident de Torpe. Zukovski a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe et il a ouvert son gymnase. Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Craig et moi avons continué dans la même unité, mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été? Ouais, ouais. Et puis bon, après la guerre, bah, qui ça intéresse? Bah, j'en sais rien. Moi. Qu'est devenu Mitchell? Mitchell? Allez savoir. Nous nous sommes perdus de vue. J'espère que tout va bien pour lui. Ok. Qu'est devenu ce panneau? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Il a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent et je lui ai décroché des contrats publicitaires. C'est ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller. Et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité.
Il s'est retiré de la vie publique et il a mis un terme à notre amitié. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis quoi ? 3 ans ? Et pourtant, j'ai essayé de le contacter, vous pouvez me croire. Ok. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement, mais je ne sais plus trop où. Ah bon ? Ah, s'il vous plaît, essayez de vous souvenir. J'adorerais avoir de ses nouvelles. Je vais essayer. Ok. Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Dunn ? Spano ? Sûrement pas. Lui et Dunn étaient... Enfin, Spano a tellement changé, c'est difficile à dire. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Peut-être est-il possible que Dunn soit resté en contact avec Mitchell ou Spano. Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia. J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Vous permettez ? Ah là là, cette aventure... C'est chaud, hein. Il y a plein de questionnements, plein de... On est toujours dans l'enquête, hein. Il y a qu'une seule enquête, en fait. Hein. C'est bien ce qui me semblait depuis le début de l'aventure. Il n'y aura pas plusieurs enquêtes, il n'y en a qu'une seule. Et on n'a toujours pas trouvé l'assassin, quoi. On n'a toujours pas trouvé... Mais on s'y approche. On n'y est pas loin, quoi. On n'y est pas loin. Les indices découverts à Dakar. Ok. Les nouveaux indices. On va essayer de fouiller ça. Sur le toit. Tout ce qu'elle fait. Votre père était-il ? Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né ? Pardon ? Ça m'arrive parfois. Alors nous sommes dans le même bateau. Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. Ah bon ? À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée à cette ville crasseuse et à l'odeur des médicaments. De ces médicaments. La seconde fois, ce fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. Pour ne pas l'avoir assez aimée. La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. Je l'ai détesté pour ça. Pour m'avoir abandonnée. Pour avoir sombré dans l'alcool. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. Alors bon, devinez. Vous réalisez à quel point vous l'aimiez vraiment ? Je suppose. Mais ce n'est pas le pire. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. Pour éviter de devenir comme lui. Pour éviter de produire les mêmes erreurs. Désolé du bruit, vous entendez. Sans lui, je ne sais plus qui je suis. Et voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby, alors que ça aurait pu m'aider. Bobby Yale est innocent. Il ne mérite pas votre haine. Et alors ? Ça changera quelque chose ? J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. Mais non. Détestez-moi ? Un bon détective aurait déjà retrouvé l'assassin depuis le temps. C'est ridicule. Vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montrée un peu plus reconnaissante. Ah, ça va. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir.
Vous êtes... Non. Vous avez des tas de qualités. Allez, hop. Vous avez bon cœur, une intelligence vive et une grande beauté. Vous trouvez vraiment le moment bien choisi pour la flatterie ? Oh, elle est jamais contente. Enfin, je ne voulais pas... Désolé. Bon, bref, oublions ça. Vous êtes passé chez mon père ? Oui. Je voulais essayer de la draguer pour changer un peu d'atmosphère, mais bon. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, avec votre aide. Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager dans 2 semaines. Hein ? Je suis désolé, je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec Marie Purnell. La lettre que vous tenez explique le reste. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui parler. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Vous êtes vraiment décidé à m'inciter à vous détester. Bah oui, peut-être. Voilà, hop. Moi aussi, j'aime bien Frank Papalia. Oui, le poster. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre, en dehors d'une petite boîte à musique. Cette boîte, c'est probablement mon dernier souvenir heureux. Mmh. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a amené à cet arbre énorme dans le jardin où papa avait installé un pneu balançoire. Il y avait un X qui indiquait l'endroit. J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait, la petite ballerie et le petit compartiment secret. Oh, les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot « papa ». Ouais. Vraiment ? Ok, cacher la boîte de musique sous l'arbre à la balançoire, ok. J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là, mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. Votre boulier vous a-t-il donné l'inspiration de vous lancer dans la finance ? Le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. Mm-hmm. Un cadeau de votre oncle Tim ? Oncle Tim disait souvent qu'à notre époque, il est important pour une femme de savoir compter. Ouais. Mon père n'était pas d'accord, sans être complètement contre. Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes raciaux. Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. Ok. Votre père avait très bon goût en matière de musique. Donc, meilleur goût que moi quand j'étais petite ? Ok, vous m'avez coincé. Vous n'imaginez pas à quel point ça me réjouit. J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. Les 5 Olympiens. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle ? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah ? Lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qu'il lui a sauvé la vie ? Ouais, je crois, je sais pas. Votre père a sauvé Thorpe. Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne dans un chasseur lourd. Zukovski était le pilote, mon père était le navigateur et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zukovski et blessé mon père. Il n'a plus jamais pu boxer après ça. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle.
Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Le nombre de fois où mon père a pu me raconter cette histoire... Et maintenant... Ouais... Vous avez toujours votre oncle ? Oui, vous avez raison. Il pourra peut-être me sauver. Bah, j'espère bien. Que vous revenez... Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin ? Mitchell ? Le lézard ? Non, jamais. Pourquoi ? Oh, pour rien. C'est juste qu'il est chelou. J'ai l'impression de l'avoir croisé dernièrement. Il est bizarre. Il était dans l'hôpital. Avez-vous déjà rencontré Spano ? Que pouvez-vous me dire sur lui ? Je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'étais encore qu'une petite fille. Je crois que mon oncle en a fait une grande star. Mais c'était il y a bien longtemps. Vous avez froid ? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Bref. Merci d'être passé. Ah bah normal, hein. Vous reprendrez dessus ? Oh bah je m'appelle le temps. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à quel problème ? Bon. Alors, voyons voir. Alors, elle a 16 ans. Chez Denis, il y a un tableau d'un arbre peint sous la truc. Ok. Alors, pendant la guerre, c'est peut-être surnommé les 5 Olympiens. Avec quoi on peut mettre ça ? Ou peut-être ça, déjà, l'arbre avec le truc musique là. Ça, ça va ensemble, ça c'est sûr. Ça, c'est quasi sûr. Se pourrait-il que Don ait réutilisé la même cachette ? Ah, peut-être. Ah. Oula, fais gaffe. Hop là. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à passer pendant qu'ils se mettent sur la gueule. Ça ne sert à rien, autant conserver son souffle et son énergie. Allez, 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 allez. Ah ! Par exemple... Merde ! Pour pousser un dernier hurlement digne... Ah, j'ai loupé la touche. Ah là 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 là. Pour une scène de QT, j'arrive même plus à jouer, c'est la merde. Allez, là, c'est bon. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser pendant qu'ils se mettent sur la gueule. Ça ne rime à rien. Allez, tac, 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 ok. Ensuite. Là, c'est tac, 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 tac. Allez, 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 allez. Oh, bien joué, la fille. Oh oh! Hey, t'aurais jamais dû faire ça, frère. Raté! Ce n'est pas le manque de crédibilité qui me gêne le plus dans un scénario. Oh merde! Ouais, il est sérieux, lui! En fait, la chose a souvent de sérieux avantages. Hop! Quand un connard se met à débiter une tirade au beau milieu d'une castagne, on peut en déduire qu'on est face à un bisu. Hop! Faut que je fasse parce qu'il y a du dialogue. Bon, laisse tomber. Il crève. Voilà. Il l'aura cherché. Non mais oh. Ah pas non. Il a essayé de me tuer et vous croyez que j'allais l'aider. Non mais on va où là? On va bientôt s'arrêter à là, les amis, hein, pour cette partie. Juste voir où ça nous mène, ça. Après, je crois qu'il nous manque une intuition qu'on n'a pas fait.
Alors, ils ont dit quoi? Rien de bien grave. J'ai encore perdu l'une de mes 9 vies. Non, ça fait mal. Il vous en reste combien? Je dirais que je suis dans le rouge. Il ne s'est toujours pas réveillé? Non, rien de ce côté. Vulpin, en 8 lettres. En 8 lettres? Je sais pas, scélérat. Scélérat? Non, ça ne colle pas vraiment. Il faudrait un truc qui évoque à la fois la ruse et la subtilité. La ruse et la subtilité? Je vais voir c'est quoi la ruse et la subtilité. C'est quoi ça? Le museau du fourmilier empeste la sardine. Ah! C'est lui le mec de la sardine! Bah ça, je l'ai fait, c'est bon. Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah ah! Le fourmilier porte des chaussures assez petites. Ok. Et l'autre? Le fourmilier a déchiré son pantalon. Bon, oh, bah ça c'est pendant le fight, hein. Ah, je sais. Vulpin aux 8 lettres. Chafouin, ok. Chafouin. Bah tant mieux que t'as trouvé. Qu'est-ce que vous cherchez? Rien. Il va s'en tirer? Il vivra. Qu'est-ce que vous avez sur lui? Randali. Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire, à en juger par la fréquence de ses visites. Vol, agression, extorsion. Des broutilles, quoi. Des associés? Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs, sous réserve qu'il y en ait eu. Vous avez trouvé quelque chose? C'est notre homme? Vous avez des preuves? Ouais, j'en ai des preuves. C'est pas mal, frère. Oh, putain, quatre... D'accord, alors. Porte des chaussures, le gymnase, cambrioleur, machin. Ça. Non, mais c'est un cauchemar. Y a pas d'autre indice, là, hein. Je peux rien faire. Hein. Je suis désolé, je peux rien faire. Là, la liaison avec le pot de peinture, je pense pas que ça a à voir. Hein. Là, je peux rien faire, les gars. Hein. Là, y a pas d'indice, y a rien du tout. Donc voilà, c'est du pif maintenant. Hein. Allez hop, voilà. Voilà. Et que du pif là. Hein. Là c'est bon. Hein. Là c'est perdu de temps. Le morceau de. Peut-être ça. Ah! Enfin! Je crois savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Marie Purnell sur le toit. Ah, c'est lui qui a tué, d'accord, ok. Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase, sur l'escalier menant au toit où la seconde victime a été découverte. Je veux bien, mais... combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York? Ce n'est pas très compromettant. Ah ah. Ok. Ah, peut-être ça avec le museau du mec. Ah bah oui, forcément. Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Vous avez senti son haleine? Parce que il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson, c'est ça? Il m'en faut plus. T'en faut plus, tu me fais chier toi. Hein, t'en faut plus, t'en faut plus. Le fourmilier s'est introduit dans le gymnase chez Dunn. Ah bah voilà les traces de pas que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est ça? Attendez. Non, ça n'a rien à voir les photos. De compris le gymnase, ça c'est bon. Les semelles. Non, c'est pas le semelle. Ça, non.
Non, 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 non. Allez, chaussures assez petites. Les semelles. Non, où est-ce qu'il est le truc? What? Ouais, voilà, celui-là. Et ça. Non. Tac. Les traces de pas. Les traces de pas avec les semelles. Voilà, c'est ça. Alléluia. Voilà, ok. Ça y est, ça y est. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats au gymnase. À moins que vous puissiez m'assurer que ces semelles sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. Il a décidé de me détruire, ça mec, ou pas, là? Allez, c'est reparti. L'assassinat de Dunn avait tout planifié méticuleusement. Bon, ça, on s'en fout, ça, je pense pas. Alors, les formules s'étant rendues dans le gymnase chez Dunn. Non, ça n'a rien à voir. Chercher à me faire pour me pousser à abandonner l'affaire et une. Hein? Non, ça, la liaison, on s'en fout. Non, ça, on s'en fout. Les semelles de l'arrêt ne correspondent pas aux traces. Peut-être avec ça. Non. Deux truands ont cherché à me faire. Ah! Deux truands! Peut-être avec les traces de. Là. Bah oui. Les deux truands avec les. Puisqu'il y a les... dans le gymnase et chez Dunn. Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oula. On va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez autre chose? Il me gonfle ce chien-là. Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Aucune n'est réellement concluante. Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu toit. Voilà. Bon, vous avez raison, pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Eh ben, décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Yael? Je commence vraiment à avoir des doutes à son sujet. Je vais peut-être m'y rendre de cause un peu trop vite. À ce sujet, ils l'ont laissé sortir? Sa chambre est vide. Il est sorti hier. Il a été placé en garde à vue. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied en un rien de temps. N'importe qui d'autre aurait mis 10 fois plus longtemps. Enfin bon, il a intérêt à être en forme. Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match? Eh bien, première nouvelle. Vite, choisissez, gentil ou méchant flic. Je suis le méchant. Alors, les fouilles merde, ça vous a plu de faire les poubelles? Ce cher Randali, ça va? J'imagine que tu es conscient que tu es sur le point de te faire coffrer pour meurtre, et que grâce au témoignage de Monsieur Blacksad et de Mademoiselle Dunn, ton avenir s'annonce des plus sombres. Va te faire foutre, sale clébard. Ah ouais, d'accord. Tu sais, il arrive souvent que des gens meurent étouffés avec un oreiller. Vu que tu devrais déjà être mort, personne n'en saurait rien en plus. Blacksad, restez en dehors de ça. N'oubliez pas qui est le policier ici. Nous pourrions peut-être te proposer un arrangement. Nous savons que quelqu'un t'a engagé pour tuer Joe Dunn et Mary Purnell. Que peux-tu nous dire à ce sujet? C'est du bluff. Vous avez que dalle. Tu sais, j'ai un véritable don pour fabriquer des preuves. Fermez-la, ou je vous fous dehors. Si tu nous dis qui t'a engagé, nous pourrons t'aider. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Un témoignage favorable pourrait t'aider à obtenir une réduction de peine significative. Je pourrais dire que tu m'as aidé sur le toit. Pauvre minable.
Black Sad, c'est pour ça que t'as jamais pu entrer dans la police? T'as raté l'épreuve de gentil flic, méchant flic? Je dirais rien. Vous êtes complètement à la ramasse, les connards. Vous voulez un conseil? À votre place, j'aurais peur pour ma vie. Mais sérieux, lui? J'ai peur que... Oh oh! Attention! Oh. Bon. Allez! Il est là. Ouf. Eh ben. Ouh. Heureusement, la blessure de Smirnov était moins grave que celle de Randall. Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. Notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé, je me suis vu contraint de me rabattre sur ma piste précédente. Bon, on va s'arrêter à là. On va s'arrêter à là, parce que ça devient long et épuisant. Oui, on fera ça plus tard. La nouvelle déduction, on fera ça plus tard. Hein. On verra ça plus tard. Il n'y a pas... On va pas passer 3 heures à faire ça. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, cette partie. Et on va se retrouver la prochaine fois. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a mené à cet arbre énorme dans le jardin, où papa avait installé un pneu balançoire. Et on fait juste ça et on s'arrête là. Bon. Allô, résidence des Smirnov. T'es morte. C'est Black Sad. Non, je t'ai attrapé avec mon lasso. Du calme, les enfants. Devinez quoi? Don a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Et puis t'as avoué ton crime? Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Ellen Moore et Alstone, pour ne citer qu'eux. Les notes de Don ne sont pas des... Ça va être une vidéo assez longue, hein. Mais je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. Très bien. Mais je dois terminer quelque chose avant. Allez. Très bien. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Cette partie de Black Sad, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite de notre aventure. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.